Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Galen pour les jeux du cygne, tout seul pour cet épisode, et pas mes conseils scientifiques que vous avez entendus au précédent épisode. La partie se passe toujours assez bien. Là je suis reparti. Je suis allé vérifier un peu où j'en étais pour l'Union sud-américaine. Hein. Il me reste un mois, on est le 16 avril. Le 15 mai, je pourrais enfin finir de confédérer ce dernier petit bout de territoire qui me manque. En espérant que personne ne me fasse un coup d'État entre-temps. Espérons. En même temps, si j'avais été intelligent, j'aurais fait ça. Pour qu'il n'y ait pas de soucis. Enfin, il y ait moins de soucis. Voilà, donc ça, c'est en cours. Les guerres africaines avancent bonnement, enfin petitement, mais sûrement. Citron, que nous fais-tu? Bon, toi, tu vas aussi déclarer toutes les guerres qu'on Heading peut. to the capital. Comme c'est fait, c'est plus à faire. Offering assistance. Offering assistance. Offering support. Hop, alors, toi, t'as terminé ton transfert vers Mars. Est-ce que tu as aussi envie de te faire détruire comme ta précédente copine? Si tu bouges pas, je te le dis tout de suite. C'est ce qui va se passer. Aucune opération assignée. Si. Ah, il est reparti. Voilà. Il a eu la trouille. Pour ça que j'ai pas bougé, je me suis dit que il était susceptible de faire un truc comme ça. Lutèce, d'ailleurs, c'est la station que j'ai défoncée précédemment. Ok, donc là ça attaque. Ah zut, je suis en vitesse 3. Je me disais, je trouve que ça avance pas vite. Voilà, j'ai mes sondes qui arrivent, mais je m'en fiche un peu. Sur Europe. Ah oui. Elles arrivent déjà? Europe, c'est... Ah, c'est autour de Jupiter, d'accord. Mission complete. La guerre, toujours la guerre. On continue. Policy direction complete. On continue. La Côte d'Ivoire, tac, 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 tac. Recommencer, continuer. Alors, les nettoyeurs. Ah, tiens, d'ailleurs, j'avais dit, mais j'ai un peu oublié, que les nettoyeurs. Ça va être la flotte Melvin. On va essayer de pas lui faire faire trop de la mouise. Donc, ils se réparent, ils se réapprovisionnent. Ils vont pas rejoindre la flotte Mars, non. Par contre, ils vont aller se chercher de nouvelles cibles. Du coup, la station Lutèce. J'imagine qu'il y a de nouveau quelqu'un. Alors, Victor 319. Qu'est-ce qu'il fait, Victor 319? Est-ce que je peux le rattraper? En brûlant tout. Je le rattraperai, je serai proche de Mercure. Ok, pas terrible.
Pas terrible. Et celle-ci là. Aucun profil valide vers Victor 505. Ok. Ce serait bien dans l'interface de pouvoir cacher les boutons qui nous les tous les trucs qui nous bouchent un peu la vue. Alors, tout ça c'est des stations. Autour d'Antigone là. Autour d'Antigone, il y a du monde. J'ai une station. Ouais, mais il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose du tout. Ouais, c'est qu'il a un emplacement. En fait, il y a trois icônes parce qu'il y a une base au sol, une base en orbite et une flotte. Alors, si je vais essayer de refaire un peu le même coup que ce que j'ai fait précédemment avec la flotte Melvin, il faudrait que je cherche. Je vais aller chercher ici. Dans les flottes extraterrestres. Alors, tiens. Toi, je vais mettre une petite alerte. 2046, oh bah ça va. Il y a le temps. Alors, je pourrais aller en orbite basse d'Europe. Essayer de voir. Parce que j'arriverai pas à détruire sa station, certainement. Victor 379. Est-ce que j'ai un profil pour aller sur eux? Ah oui, non, là, ça. Bon, tu me diras. Ça fait quoi? Arriver 9 juin, eux ils sont quand? Arriver le 20 juin. Ah! Ça peut être intéressant que je les intercepte avant leur arrivée. 12 juin, 18 juin. Si je vais au plus lent, j'y suis juste avant leur arrivée. Ça me permet de dépenser moins de la moitié de mon KPS. Allez. Allez. On va tenter ça. Le temps que mes autres vaisseaux soient produits. Mission complete. Hop. La Somalie. Hop, ce sera instant. Tiens, tu vas le faire avec l'Inde. On va commencer. Ça va être l'Inde qui va venir te les prendre, ceux-là. Ah tiens, là, ceux-là. Ça va être eux, sinon. Parce que l'Inde, je sais pas si j'ai beaucoup de marines. Si, j'en ai deux qui ont des marines. Hop. Tac. Je sais pas qui arrivera en premier. Orbite extrême, Takao. Ok. Attends, gérer. C'est du niveau 3. C'est du niveau 2. Non, c'est du niveau 2, ça. Ouais, c'est du niveau 2. Je pourrais faire ça. Juste pour mes faits. Pour faire passer les trucs au niveau 3. Space, an endless cosmic oil field, waiting to be drained by whoever's smart enough and rich enough to get there first. Black gold is back, baby, back.
Chairman Soren van Wyk, impromptu comments made to paparazzi outside a nightclub in Cape Town. Toujours cynique. Tu vas me rechercher. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin? Je sais pas quelle est ma limite. Je vais faire une fois. Quelle est ma limite en matière de... Ouais, air d'élévation 6-9. Mon maximum, c'est 9. Ouais. J'en suis tellement loin que... alors... Bah, de toute façon, j'ai pas... Ah si, j'ai des trucs à blinder, là. Alors, citron... Tu vas me défendre là. Gilou, tu vas me défendre ça. En termes d'agitation, je suis à 1,1. Qu'il me faut comme guerre. Alors, contre qui est-ce que je suis en guerre encore? Fédération, revendication, statut de l'Alliance, là. Tac. I will help them. Securing our control. Très bien. Lending my expertise. I will help them. Securing our interests. Only when we can look our enemy in the eye can we understand why he's not so different from ourselves. Then, only then, can we hope for peace, I fetchy. Commissioner Kiran Banerjee, private correspondence. Les planètes extrêmes, externes, pardon, donc ça me permet d'aller vers Uranus et Neptune et les sons vers la ceinture de Kuiper. Hop. On va rechercher... Bon, il n'y a pas d'enjeu particulier sur ces recherches-là. Je sais pas trop ce que j'ai pu rater. Alors, si je fais tac, juste pour rire, prospection, non, système solaire, ça me coûte 3 fois rien, ça met combien de temps? 3544 jours, c'est tellement drôle. Allez, lance tes 23 sondes, 123 sondes. Tiens, est-ce que j'ai une revendication? Sur... c'est quoi ça? C'est... Saint-Denis. État du Ratnakaran. Bien connu de son quartier. Est-ce que j'ai une revendication? De la nation? Non, je n'ai pas de revendication sur Saint-Denis. Est-ce que le califat a une revendication sur Saint-Denis? Scan de titan terminé. Bon, en vrai, c'est pas méga intéressant. La vache. Oh là 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 là. Ça sert vraiment à rien. Bon, du coup, en fait, c'est juste des relais en quelque sorte. Est-ce que le califat a une revendication? Non, sur Saint-Denis, il n'y en a pas. Ok. Ici, c'est comment l'agitation 1,1. Alors, du coup, ceci dit, maintenant, je dois pouvoir faire une base sur Titan.
Mission Saturne. Alors, tu me dis que je peux faire une base. Bon, je suis pas sûr d'en avoir vraiment besoin, mais bon. Qu'est-ce qui est un peu moins naze que le reste? Certes, plein d'emplacements, mais... Là, j'ai Fissile. Le mieux que j'ai, c'est 4,7. Voilà. 17,3, ça changera rien. Bon, je vais me mettre sur... Dilmun. Hop. Mission Saturne. Je vais me fonder un avant-poste sur Dilmun. Hop. Pour dire que j'y suis. Hop. 60 jours. Et une autre pile à combustible. Voilà. Violence is abating. En orbite de Titan. Terminé, très bien. Donc ça va me permettre de réparer tout le monde. Flotte. Mission Saturne. Tu veux aller ici. Tac. Torche à pion. Là, on commence à aller sur les très, je crois, les très très bons... Les très très bons réacteurs. Statut de l'Alliance. Vous allez vous réparer, parce que pour l'instant... Je conquiers les territoires trop vite, moi. Mission Saturne à réparer. Est-ce que du coup je pourrais avancer, aller jusque tant que j'y suis, maintenant que je peux aller sur les planètes suivantes. C'est juste que si moi j'étais les vilains aliens, j'enverrais une flotte pour démonter. Mais est-ce qu'il le fera? Qu'est-ce qu'il a comme flotte ici? Alors, toi, typiquement, l'avantage, c'est que t'es pas en orbite. Donc, si je t'envoie... contre cette flotte-là, contre Victor 24... Ça pourrait le faire. T'as quoi, 956, 794? Qu'est-ce qu'ils valent, mes contre-torpilleurs? Normalement, ils valent bien. Allez, soyons fous. La Somalie est conquise. Alors, toi tu vas me calmer un peu l'agitation, pas toi.
Et toi, where do you need me? Je vais me calmer l'agitation ici, et puis... Hop, 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 hop. Ici, la fusion. Time to make our move. Are you putting in? On my way to the capital. Attends, non, toi tu vas me blinder ici. Securing our interests. Standing by. Je peux arrêter mes missions de conseil un petit peu. Le temps de déclarer 2-3 guerres de plus. On my way to the capital. Allez. Reporting in. Toi t'es où, Adriel? T'es au califat. Ça donne quoi le califat? Priorité bien-être. Modéré, paisible, ouais. Hop. Heading to the capital. Ready for my mission. On va terminer de faire tout le déclat de guerre. Allez. Et on a nos nettoyeurs. Qui arrive. Alors, ça c'est nettoyeur bis. Puisque j'ai renommé l'autre Melvin Palace, la flotte Melvin. Qu'est-ce que vous allez vous choisir comme cible? En voilà une question qu'elle est bonne. Là, je peux pas y accéder. 271. Ah oui, c'est ceux qui arrivent, ceux qui vont sur la Terre. Je les recevrai comme il se doit. Eux, c'est ceux qui arrivent. Sur l'UTES, ils ont déjà leur comité d'accueil. Ah, tiens. D'autres qui veulent venir me compter fleurettes sur Terre. 14 juin, j'ai pas le temps de les avoir. Là, il n'y a personne. Ici. Pas d'aliens en vue, là non plus. C'est l'UTES, je le sais. Mais j'y peux pas grand chose. Ou alors sinon je les rejoins autour de l'UTES. Ils y seront en juin. Ouais, là ça veut dire que je grille tout le monde Delta V. Non, je vais attendre d'avoir mes missiles. Je vais aller autour de Jupiter. Je vais aller rejoindre la flotte Jupiter. Allez, transfère-moi tout ça. Mogadish. Making things safe for our people. Alors, mission Saturne. Alors, voilà qui va être intéressant. C'est peut-être une connerie ce que je fais. J'aime bien faire des conneries. J'aime bien. Hop. On va pas aller trop vite. Tac. Et on va les laisser se débrouiller tout seul. On rentre les radiateurs tous. Et on attend que ça commence à shooter. Il n'y en a pas beaucoup non plus.
Ça y est. Là, c'est les tirs de plasma qui commencent. À grignoter mon armure. Là, on a les rapides. Voilà. Ouais, moi, je tire pas très vite. Hein. Ouf. Ouais, c'était peut-être une connerie. Hein. C'est possible. Je sais même plus ce que j'ai. J'ai quoi? J'ai tourelle, gauss et canon à particules. Ouais, c'était peut-être une connerie. Hein. Voilà, moins un. C'était même complètement une connerie. Ok. Vous allez peut-être vous concentrer sur une cible. Hein. Ah oui, ce qu'il arrive à tout me bloquer en fait. Et son plasma que le jeu ne peut pas bloquer, en fait, me défonce tout. Ouais, c'est une connerie. Hein. Il est beaucoup beaucoup plus fort que moi. Je l'ai à peine blessé. Eh ben, ça m'apprendra. Ça m'apprendra à être un peu trop gourmand. Hop, allez. Prendre la souffrance. Tant pis pour ma pomme. Victoire pour les extraterrestres. C'était complètement stupide. La Côte d'Ivoire est conquise. La sonde arrive. Hop. Vous enchaînez ici. Bah oui, normal. J'aurais été lui, j'aurais fait la même. C'était vraiment complètement con de ma part. Order is returning. Eh ben, tant pis pour moi. Boum. Ça ne fera qu'un peu plus de délai. Mission complete. Ceci dit, tant qu'il détruit pas ma station au sol, ça me va. Mais alors, en Union africaine, on continue les déclats de guerre. Hop. On va arrêter de réfléchir. Policy direction complete. Là, par contre, c'est unification avec la Venezuela. Wouhou ! Et l'Union africaine est... l'Union sud-américaine est enfin complète. Avec un bien-être qui devrait redescendre tout de suite. Contrôle de mission, franchement, je suis très très large. Hop. Bon, il y aurait juste ce petit bout qu'il faut que je reprenne à l'Union européenne. Policy direction complete. Hop. On arrête de réfléchir, on a dit. Mission complete. Il me restera combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, un tour complet. Avec tous mes conseillers, et ce sera fini. Je pense. Alors, canon avec 4 points. D'accord. Confinement inertiel, il me faut. Escalade militaire. Ah. Cohésion. Les Philippines.
m'en fous un peu. Non, c'est frappe aérienne. Ça veut dire une entrée en guerre ou... C'est à moi. Non, c'est pas moi. Donc on a dit qu'on faisait un tour avec time to make a move. Déclaration at your service. De guerre complète. On my way to the capital. I'm here. On my way to the capital. Et normalement après je pourrais plus en faire. Attends, tiens d'ailleurs. Merde, c'est tout au nord. Ils ont envie du pays en Afrique. Je vais l'envoyer là. Vol, de toute façon, t'as plus de chance, donc... Hop, c'est ici. Ah, alors ça c'est marrant, c'est du coup... Ah oui, parce que je dois pas avoir de revendication dessus. Donc vous continuez ici. Première base du système. 1000 de recherche. Wouhou. Écoute, il me l'a laissé. C'est assez surprenant, mais... Mais bon, je comprends pas toujours comment y réfléchir. Dans le doute. Pourquoi j'ai cherché ça, moi? Je sais pas. Torche à pion. Ah oui, mais là, ça me coûte de l'antimatière. Donc j'ai pas vraiment de quoi le faire pour l'instant. Panique. Déployer nos forces armées. Tac, tac, tac. Policy direction complete. Déclarer la guerre. 6. Hop, terminé. Continue. Mission complete. Ah, sauf que j'en ai d'autres maintenant. C'est malin. L'Afrique du Sud. Mission complete. Mission complete. Cleaning things up. Il recommence pas. Policy direction complete. We'll be ready for new orders soon. Policy direction complete. Il en restera deux après, donc c'est bon. Normalement, je les ai déclarés, mais... Enfin, j'ai... Cleaning things up. J'ai fait en sorte qu'il y ait encore des déclarations de guerre derrière. On verra quand tout sera pris. Hop. Ah, pourquoi je suis en pause ?
Donc là, normalement, au niveau des éclats de guerre, je dois être pas mal. Il me reste encore la Mauritanie, le Niger, la Namibie, Madagascar. Est-ce que je peux me déclarer de nouveaux rivaux? Malaisie, État du Pacifique, non. Madagascar, c'est rival. Ouais. Ok. Donc là, logiquement, si je regarde, je dois avoir déclaré la guerre Niger, Namibie. Donc il faut que j'attende d'en avoir gagné d'autres pour. Alors d'ailleurs, je pourrais envoyer. Tac. Ça, c'est un Américain. Ça, c'est un Indien. Ça, c'est l'autre Indien. Et l'autre Américain. Non, perdu. Hop, voilà. Brieux, tu vas pouvoir retourner conseiller nos amis chinois. Lending my expertise. Dashus, tu vas pouvoir retourner conseiller nos amis américains. Offering assistance. Ready for my mission. Adriel, tu vas retourner. Tu vas calmer un petit restoring peu. Order. At your service. Les gens ici et Gilou. Wow, ouais. Gilou, tu vas calmer ici. We'll restore peace to this nation. Offering support. Offering counsel. Alors, initiative, c'est la flotte Melvin contre Victor 379. On est parti, on attaque ça. Hop. Là, normalement, cette flotte-là, elle est quand même plus solide. Je vais faire focus sur une seule cible, je sais pas si ce sera plus rapide ou pas. Putain, il y a une capacité d'accélération qui est ouf quand même. Oh la vache. Et moi j'ai une capacité de destruction. Putain. Il flambe quoi. D'accord. Orientez-vous vers vos cibles. Hop. Hop, qu'on intercepte. Tac. Touché. Ah, les canons à plasma, quand même, c'est beau. Allez. Voilà.
Tentez d'accélérer. Gardez votre delta V. Oh, tu me diras, ça en consomme pas grand chose quand même d'accélérer. Ah, j'ai quand même pris un peu de dégâts là. J'en ai deux qui ont pris quelques coups. Alors, pas de problème. Détruit. Alors, annuler. Continuer. Très bien. GG Melvin. Alors, du coup, pourquoi est-ce que je peux rien faire avec cette flotte? Se rend vers la station Lutès, du coup. Pourquoi tu te rends vers la station Lutès? C'est pas ce que je t'avais dit de faire. Bon. On avait dit que tu faisais pas de merde, Melvin. Mmh. Ok. Flotte Melvin. Ah ouais. Non, mais non. En fait, j'ai juste pas du tout envie de faire ce combat, quoi. J'ai la station, j'ai... Il l'a bien chargé, quand même. La vache. La vache. Il est de nouveau bain du monde. Ok, je sais même pas trop pourquoi est-ce qu'il a pas engagé le combat, mais moi ça m'arrange. À choisir. Là typiquement il y a un truc que j'aimerais, c'est le port le plus proche, enfin le spatioport le plus proche. Combien est-ce que ça me coûte d'aller aux différentes 4,79 semaines? Tour de Vénus. 4,74 aussi. Autour de la Terre. 4,01, c'est plus proche. Ah, c'est vrai que ce serait cool en fait d'avoir une commande ciblée la station la plus proche. 4,01. J'ai rien autour de Mars, c'est combien? 9,70, oui, c'est beaucoup plus loin. Eh ben, ça sera autour de la Terre, alors. Hein. Puisque c'est là le plus proche, on va rester en orbite extrême. 4,01, hop. Est-ce que je fais quelques économies? Non, je ne fais pas quelques économies. Allez. Ouf. Recommencer. Order is returning. Alors, c'est ça que je viens de prendre. Qu'est-ce que ça donne là? Je vais... Ouais, je vais juste envoyer cette armée parce que... Les autres sont quand même pas très en forme. Logiquement, je vais pouvoir déclarer maintenant. Contre la Sénégambie. Policy direction complete. Non, je ne peux pas faire la Sénégambie. Pourquoi? Bon. Je ne sais pas. Policy direction complete.
Prepping for next mission. Le Biafra est conquis. Vous allez ensuite enchaîner là. Orbite extrême. Celle-ci, je voulais faire les améliorations avec ça. Pourquoi est-ce que les autres, je peux pas en faire des améliorations? Ah si, c'est ça. Moins 640. Ça suffira. Hop. Faire ça. Je refais toute la base comme ça. Oh. Oh, lag. C'est moi qui dirais quand est-ce qu'on fait la paix. C'est pas la peine d'insister. Putain. Ça en fait des conseillers qui demandent de faire la paix. Opinion, ça va, ça va. Priorité, ok. Priorité bien-être, ok. Alors, je... Est-ce que je peux toujours pas... Non, je peux toujours pas faire de guerre. Je sais pas pourquoi. Relation. Rivaux. Sénégambie, je suis en guerre contre. Ah bah oui, je suis en guerre. En fait. Et c'est qui ça? Ah mais du coup je suis pas frontalier. C'est pour ça. Je pourrais faire. Ah mais attends, non, je vais sans doute pas pouvoir faire. Est-ce que je suis rival? Non. Et rivaliser du coup la Mauritanie. Tac. Il faudra là que je fasse la déclat de guerre. Ok, donc. Ready. Adriel, tac. Ça me fera baisser ma cohésion, c'est pas on my way to the capital. Where to? Ready to go. Citron. Non, c'est toi qui vas me le faire. On my way to the capital. Ita. Ready to go. Tu m'apaises un peu les tensions. We'll make ici. Things safe. Et Adrien. Acknowledged. Adrien, tu vas me faire un peu de pub. Time to make our move. Autour de Cérès. Il y a toujours personne autour de Cérès. Offering counsel. Est-ce que c'est une bonne chose? Vaisseau déployé. Ah! Mon cuirassé. Eux, bah, ils vont rejoindre du coup la flotte Melvin. Juillet. Ah merde, je les ai envoyés en orbite extrême. Quel con. Quel con. C'est... Ils pourront pas se réprévisionner du coup. Il faudra que je les renvoie. Pas grave. C'est là où j'ai amélioré toutes mes
tous mes chantiers. Ok. Donc du coup, pour l'instant, ils vont attendre l'arrivée, qui est quand même dans pas très très longtemps. C'est tellement plus rapide de prendre les pays en faisant la guerre que quand on a besoin de façon pacifique. Bon, j'imagine bien que c'est pas forcément tip-top, mais... ici, t'as fait ceci, très bien. Le Zimbabwe est conquis. Hop. On enchaîne ici. Things are stabilizing. Ah, très bien, le critique. Du coup, je peux n'en laisser qu'un seul. Ouais, plus 100 points, j'en avais pas besoin, mais c'est pas grave, j'ai quand même fait. Je voulais le 2 points d'import en laser. Sont globalement tous les propulseurs qu'il est susceptible de me proposer sont intéressants. Alors sauf celui-ci, hein, là j'ai vraiment pas les matériaux pour. En fait, je vais le mettre en obsolète, c'est pas la peine que je m'en kikine. Et puis là, les stats sont tellement mauvaises que c'est pas la peine non plus. 15 à l'extrême, non mais je vois jamais un truc comme ça. Le lithium. Hop, c'est pas la peine. Et c'est pas la peine non plus. Triton Vista, ah, peut-être. Pouah. À mon avis, ça vaudra pas grand chose. Mais bon. Torche Luciole. Tout ce qui est torche. En général, c'est bien. Oui. Est-ce que c'est la capitale? Normalement oui. Mais bon, oui. Le Niger, c'est bon. Mission complete. Ah, je peux pas déclarer de guerre. Comment se fait-ce? Alors, je peux faire une grosse union. Techniquement, pourquoi pas? Allez. Boum. Ah non! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais quel con! Bon, là, je vais recharger. C'est vraiment trop moche. C'est l'occasion d'arrêter l'épisode. D'accord. C'est n'importe quoi. Ok. C'est céder du territoire qu'il fallait que je fasse. Il faut que ce soit l'Union africaine qui salue tout. Bon, tant pis. Je recharge tout ça, mais ça sera pour le prochain épisode. C'est ce qu'on appelle un gros échec. Ouais, indépendance, t'as raison. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.